Je peigne dans la rue parce que pour dire la vérité, ça me fait plaisir. La rue. Dans la rue, on trouve tous les parties des gens, toutes les catégories des gens. Mais j'adore, moi j'adore les gens. J'aime les gens. Comme ils sont. S'ils sont un peu bizarres, c'est pas grave. Mais s'ils sont méchants loin de moi, sinon c'est la vie. Je peux pas, si je pouvais une jour, je pouvais le faire vraiment de. Dans une grande avenue de Mexico, je pouvais décorer toutes les plus grandes avenues du monde. Moi, je suis grandi dans l'atelier de mon papa. Je suis le fils d'un sculpteur. Je ne pensais jamais dans ma vie que je pouvais être artiste peintre non plus. C'était un peu tard, parce que j'ai commencé à faire la peinture, j'avais à peu près 26 ans. Mais à partir de la journée que j'ai commencé à faire la peinture, jusqu'à aujourd'hui, je peins le matin, le midi, après-midi, le soir. Je me suis baigné dans la peinture, en fait. Je suis né en Albanie. J'ai des professeurs dans le foot. Je suis déserteur, artiste déserteur. Ça fait beaucoup de temps que je suis asile politique, asylante politique en France. Quand ils sont arrivés de me prendre soldat avec la force, dans un système communiste qui s'était fermé, qui me disait tout le monde qu'il faut le tuer l'autre, en américain, en russe, je ne sais pas quoi, c'est des conneries. Je dis, moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour tuer. C'était mars 1998 que je suis venu en France. Et à Paris, c'était horrible. Il fait froid. J'étais obligé de venir en Côte d'Azur. Pour dire la vérité, je ne voulais pas m'installer ici à Nice. Parce que Nice, ils me disent que les gens sont spéciaux. Mais de toute façon, tout le monde sont spéciaux, ce que je vois. Je suis bien d'aller à Nice. Bon, la mentalité, c'est un peu spéciale, mais c'est la vie, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les artistes célèbres de tout le monde, c'était là. Hein. Chagall, Dali, et tout le monde. Qui n'a pas passé dans cette terre? Matisse, Jean Cocteau. Ici, en Côte d'Azur, pourquoi? Et voilà, on a la paresse. C'est ça, un artiste il a besoin de lumière. Là je suis fou, hein, je le vois là. Ici j'ai trouvé un tableau de. Ça c'est pas moi. Ça aussi c'est à moi. Une palette, je sais pas si. Derrière, regarde. J'ai trouvé un sac de poste. Il était libre. Un sac. Je l'ai ouvert, je fais une. Regarde ce qu'il y a, c'est la poste. Regarde. J'avais pas les moyens. Mais je l'ai fait aussi. J'ai fait attention les bois, par exemple, pour le cadre, parce que je les crée tout seul, moi. Et on peut nous trouver, je me trouve quelquefois dans la rue, qu'il y a une bonne fenêtre, peut-être, que ça fait 50 ans, mais elle est bonne, je les prends, je transforme le tableau. Je transforme tout. Le château, le poisson, désolé, mais c'est une maladie, ça. Pour moi, c'était vraiment une maladie. J'étais un peu, quand j'étais petit, attiré beaucoup pour la mythologie grecque. Cet personnage, Poséidon, qui sortait avec toute cette sirène, je ne sais pas comment ça, c'était des choses qui devenaient toujours dans ma tête. Par contre, le personnage, j'étais toujours, et je ne voulais jamais de le faire le parfait. Comme j'avais marre d'être parfait. Pourquoi? Parce que si on voit Léonard de Da Vinci, il a fait le parfait. Je ne le peux pas faire. Je voulais faire mes personnages. Mon manière de le dessiner, mais toujours avec la façon de la fête. Les enfants, ils adorent mes peintures, parce qu'un enfant, c'est pas comme nous. Où il a un œil, il a le cœur.
une femme, une Allemande. Elle m'a dit, regarde-moi ici, dans ton tableau, je vois une révolution turque. Je dis, madame, ça va ou ça va pas? Elle dit, quoi? Non, c'est une crocodile et une bonne sexe, tu ne l'avais pas vu. Arrête, arrête de me dire, moi, les conneries. Je suis critique des hommes. Mais tu vois une crocodile là, tu vas me dire avec une sexe immense, 2 mètres, tu me dis après c'est une révolution turque, tu peux le faire révolution turque, arabe, africaine, c'est ton problème. Mais moi, c'est moi qui je l'ai fait. Elle m'a fait une gueule comme ça, elle est partie, bon, on s'en fout. Ah, dans 2 semaines, il est venu, il m'a acheté 2 tableaux. Et je lui disais, ah, madame, pourquoi vous... Je lui disais une chose, dis-moi s'il te plaît, pourquoi tu m'as acheté les 2 tableaux? Elle m'a fait, en fait, combien de fois je me dispute avec mon mari? Tes tableaux, ils me font rigoler. Voilà, merci. Ça veut dire que c'était thérapie. Et c'est vrai, mes tableaux, c'est de bonne énergie, c'est de thérapie. Je dis, quelle chance que tu as trouvé le bonheur de ta vie, finalement. Et tu ne fais pas chier tout le monde. Grâce à mes tableaux, c'est ça l'art. C'est la plus bonne chose du monde, c'est la femme. Sans la femme, moi, je ne peux pas. Désolé, hein. Vraiment, c'est... Quelle chance que j'ai une femme, qu'elle me comprenne ça, elle me soutienne. J'ai le fils 11 mois, tu l'avais vu quand il est venu. Il crie d'un kilomètre quand il voit. Papa. Il ne sait pas parler, mais il crie quand il voit les vêtements. Mais c'est la vie. La plus grande richesse, c'est ça. Sans la famille. Après le tableau, c'est la deuxième partie. Je profite de la vie. La vie pour moi, c'est un cadeau qu'on a, il faut profiter, tout va bien. Merci à toi. Il faut profiter de la vie.